Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Serekai et je vous retrouve sur HOI4. Donc vous voyez que l'URSS est à deux doigts de craquer. Normalement je prends Leningrad. J'ai pris Leningrad, donc la question c'est est-ce que l'URSS est naze? Même prendre Leningrad, l'URSS va pas capituler. Me fait chier le soviet! Où est ta capitale de merde maintenant? T'as mis où ta capitale, connard? Il passe à Mourmansk. Non. Minsk! Oh! C'est gérable, ça! Donc maintenant, bah, toutes tes troupes ici ont plus de ravitaillement. Tu vas faire quoi avec une armée qui a plus de ravitaillement, mon gars? De sur une grade, je vois pas comment est-ce qu'il ravitaille son pays, hein, de con. J'ai essayé de prendre Vilpuri pour le faire chier. Là, t'as arrêté comment? Rapport, ouais, peut-être, ouais. Une fois que je prends Vilpuri et qu'il n'y a plus de connexion, il a arrêté comment en fait? Je comprends pas comment il va faire pour ravitailler. Mais t'as le pré-bail, je sais, je sais. 20 points, je sais, Minsk. Toi, c'est à 3, Tallinn, c'est à 5. L'idée, c'est de le faire crever là, mais. Pourquoi il s'est pas encore écroulé ce con? C'est ça qui me fait chier avec l'URSS, c'est qu'elle s'écroule jamais. C'est pas une merde. Bon, bah, les gars, opportunité, on fonce là-dedans. En mode. Rush de chacal. Mais ils sont isolés, c'est con. Là, par contre, là, non, je suis encore fait couper. Génial. L'allemand, tu veux pas percer à Minsk, s'il te plaît, là, juste une petite, juste quelques troupes. Là, j'ai 8 troupes. Y'a pas un général qu'on peut mettre là? Non. J'ai une idée. Et si ce qui reste, on va les donner à général là. Et on va les mettre juste ici. L'idée ce sera de percer ici. Pour prendre Minsk. Le but c'est de réduire la poche là, la poche baltique. Le Tanoukoa, je savais même pas que ça existait. Pour être honnête, hein. En fait là, il y a tellement plus rien, il y a plus rien. Il y a plus de troupes. Je vais tenter un truc, enfin un truc de bâtard. On a toujours pas pris Gorky, hein. On va essayer de prendre ça par derrière. Il a vu qu'il y a quasiment plus rien. Les Finlandais, vous êtes sûr que vous voulez pas intervenir, les gars? L'état qui ment. En même temps, vous avez déjà vu un état qui dit la vérité? LOL! Pardon, ma blague était bidon, mais bon. Voilà, franchement, l'URSS, pourquoi elle crève pas? L'Érythrée, putain, franchement, l'Érythrée, ça me.
On touche une sans bouger l'autre, hein. Pas vous mentir. Là, ils ont une ligne de front de taré, les mecs. C'est ce que je vais faire. Je vais faire un jour. Je vais vous faire un super canon de bourrin. Pour faire percer, pour passer de la défense. Et je vais vous l'envoyer. On va essayer de bloquer l'avancée ici pour prendre Minsk. Non, toi, tu vas pas prendre Minsk, tu vas juste arrêter l'ennemi. Djibouti capitule. Je sais pas si c'est à nous ou pas, Djibouti. Bon. 89%. C'est où t'as pris la capitale maintenant? Les Iceberg, non. Kazan! 10 points de victoire, Kazan. On va prendre cette ville-là, hop. Essayer de les faire craquer. Maxime Gorky, hop, la ville de l'écrivain. Il me fait chier, Staline. Hein. Là, c'est quoi en face? Djibouti était annexé, d'accord. Djibouti, je sais même pas c'est qui en fait. Somalie. Oh la gueule, Éthiopie! Oh mon dieu, l'horreur! Français unis. Oh la... non, mais sérieusement, c'est immonde! C'est illégal! C'est illégal! Je suis désolé. C'est pas des villes intéressantes ici à prendre. Écoutez, Magnitogorsk, Tchelyabinsk, Oufa, Magnitogorsk. Ouais, on va passer par là. Magnitogorsk, Tchelyabinsk, Sverdlovsk, Oufa. On va faire un petit road trip en Sibérie. Bon, de toute façon, ils sont encerclés, les Russes. L'idée, c'est de les faire crever. Il faut encercler, il n'y a plus rien pour les sauver. Bah, je veux bien. Là, je vois pas comment ils peuvent sortir, les Russes. Hein. Lev Dovator. C'est quoi ce nom? Vous annulez votre plan de conquête de jusque là-haut, c'est une abomination sans nom. La supprime, bordel! Et le plan sera juste déjà essayer de reprendre ceci. Reprendre Kazan. S98. Il n'y a plus rien, c'est bon. Le russe... Qu'est-ce que tu branles là? J'hésite de passer par là, mon gars. Bon. Alors, en compte, j'avais tellement peu de troupes que j'ai même pas de quoi mettre des troupes au sud. C'est bon, faut nettoyer cette poche là. Faut qu'on nettoie la poche baltique. Une fois qu'on nettoie la baltique, on progresse. On est à 18,5% sur 20. Je vous rappelle qu'on peut monter qu'à 20. À 20,04. Il faut avoir un truc pour recruter des mercenaires. Et bon, j'ai pas le Mercos.
Je mets l'anti-aérien, il se passe quoi? Anti-aérien 20. Ouais. Il va manquer combien de matos maintenant anti-aérien, à votre avis? Moins 906. Ah! Il me faut plus de 4 de. Plus de cela. Mandzikert. Oh mon dieu, Mandzikert, ne me dites pas ce mot. Ne me dites pas ce nom, pitié, Mandzikert. Ah, il faut plus d'usine là. On dit Kert. Quelle horreur. Bon, là, ça se passe comment là contre les autres Gugus là? Oui, ou pas Kazan? Faut qu'on lance l'assaut sur Kazan. Ah, lui, Tartarstan. Y'a pas une possibilité de faire, je sais pas, un truc qui s'appellerait promettre de démanteler l'URSS pour inciter les populations à se révolter. Y'a pas un mec qui permettrait d'avoir plus de populations qui seraient chaudes. Les communistes peuvent être amicaux. Non. Master marxiste. Fond de tiroir. Ach! J'aime pas les fonds de tiroir. Il faut vraiment que je m'empare des territoires là. Il faut que je reprenne les Balkans. Que je débarque dans mes propres eaux, enfin que je fasse un débarquement par derrière dans mes propres territoires, ok. J'ai compris. Pourquoi pas, hein? C'est pas que con comme idée, hein? Bon, les états baltes, ça crève ou pas? Après, le problème, c'est que vu que Kazan est sa capitale, il peut voler monter l'Est grâce à son réseau de routes par là. Il a foutu des troupes par là, l'enfoiré! Pas que je dégage cette armée-là, que je la mette à... Pas que je dégage cette armée-là, que je la mette ailleurs. Je vais les déplacer ici. Le plan. Par là. Et il me faudrait juste quand même quelques troupes ici. Où j'ai caché la troupe. On tire un 3. Ce que je ferais, c'est que je débarquais dans mon propre dos. Ouais, mais ça, j'attends d'avoir fini l'URSS. Fini l'URSS et promis, je débarque dans mon dos.
Oh les gars, faut vous grouiller très vite. Bon, les tabacs qui crèvent ou pas là, ces pays à con là. Là, pourquoi ça avance pas? On monte. Et on fonce. Et là, le pire, frustration, regarde-moi ça. Ça avance pas ici. Alors que ça pourrait tellement faire prendre 2-3 divisions KO. Je comprends pas comment ça fait qu'il tient, mais bon. Hop, char moderne, notre 45, ouais, est-ce qu'on est en 44 déjà, mais bon. Mais en 44, le RC a toujours pas craqué, hein? Juste que je fais. On finit à Baltique. Ça a bourré comme des cochons. Tous les ramener des troupes, le russe. Le japonais là. Ah putain, l'horreur! Les Américains ont juste débarqué au Japon. Le monde est en train de vider sa population. Neuf. Ah, on est bientôt à 20%. Faut juste que je pompe les états soumis. Et que je prenne la population. À niveau résistance, c'est comment? Ouais, c'est bon, ça se calme. Se calme. La guerre, un appel à l'héroïsme. Y'a pas un truc, genre par exemple, pour inviter plus de populations à. À participer à la guerre? Tiens, tiens, la Roumanie. Y'a pas assez d'effectifs, c'est quoi ton pays de merde? Il est en guerre contre beaucoup de monde. Je suis en... Nous sommes en guerre contre beaucoup de monde. Cette seconde guerre mondiale va être absolument un cauchemar dans les bouquins d'histoire. Markan Popov, putain le mec. Tu portes tellement bien ton nom. Lol. Et là, faudra juste nettoyer tout ça contre la Norvège, là, que ce soit fini, ce tas de. Ce tas à la con. Juste là, Kazan. Prenez-moi Kazan, les gars, s'il vous plaît. Niveau ravitaillement, c'est comment? La merde! C'est bien que le RSS, les mecs, ils ont pas prévu leur réseau pour combattre chez eux. Hein. T'es avancé chez eux, t'es obligé de te faire chier à construire du rail partout. On va juste essayer de prendre la... les pays là. Memel, c'est comment? C'est en Allemagne en plus, Memel. Invocation. Revendique, revendique, revendique. Et corps, Lituanie. C'est un corps du Reich. Ça fait qu'il n'y a pas de révolte, pas d'envie de révolte dans tous ces territoires-là. Ici, normalement, je veux dire 13% de révolte. 16. Bon, on va tenter un truc. Création d'un service de renseignement.
On va essayer de faire du bord, de foutre la merde chez les autres. Trouver de quoi les déstabiliser le pays. On va faire ça bien avant. Du con. Bon, toi, du con, tu viens ici. Il y a un trou, regardez. Il y a un trou là, les gens. Comment c'est que vous profitez pas du trou qui est là? Et là, vous essayez de prendre Kazan, bordel! Tchaniakovski, ça me dit absolument rien, son général. Bon, après, en général, en octobre 44, bon, ben, l'Allemagne, ouais, ben, ici, ça me paraît cohérent, historiquement. Là, par contre, à l'Est, elle est beaucoup moins. Il n'y a même pas assez de train. Production. Ils sont où les trains? Qu'est-ce qu'ils foutent, les trains? 3,36 par mois. Train de guerre, voilà. Train civil, train de guerre, ce sera beaucoup moins coûteux à produire en plus. Non. On fout que ça prenne du temps, ce sera fait. Allez, Kazan, là, c'est comment là? Vous l'encerclez ou pas cette putain de ville? Essayez de m'encercler cette ville de merde là. Kazan encerclé. Moi qui me fait encercler maintenant. Quelle blague de merde. Tiens, c'est moi qui me fais encercler, c'est quoi cette plaisanterie? Chier! Écoute. Faut progresser, là on va foncer comme des cons. Pourquoi vous barrez par là? Je veux juste aller par là, les débiles. Vous avez tout ça, voilà, vous rentrez. Les Pays-Baltes commencent à les grignoter. Une fois qu'on va gritter les Pays-Baltes, on pourra avoir toujours accès à plus d'effectifs. La question que je me pose, c'est combien de temps ce mont va pouvoir tenir? Niveau flingue, c'est bon, on est positif. Donc je me débarquerai dans le dos une fois que j'aurai le 13 et le russe. Je vais pas faire ça quand. Je peux pas gérer 50 francs à la fois. Bon, c'est combien de points? C'est combien de points? C'est 5 points. 94. Oh, Kazan est encerclé! Bonne nouvelle! De pouvoir attaquer cette putain de capitale! Lev Dovator. Après, le pire, c'est où est Staline? Parce que Staline, à chaque fois, on chope sa capitale et hop, Staline se téléporte! Vous pensez qu'elle s'est portée où, Staline, cette fois-ci? Quatre-vingt-quinze pour cent. 95%. T'es où, connard? Mourmansk, putain, j'avais call!
On va choper un Mormansk. On va choper Staline par la peau du cul s'il le faut. Et on va le choper, le petit bolchevique. Le front défense nordique, c'est la Suède qui a pris la tête, ok, d'accord, très bien. Ça, on va encercler pour isoler et tuer. Ces quatre divisions-là, ça va arrêter de nous faire suer. Ça faisait enseignement créé, ok. Déjà, défense passive, et après on va essayer de créer un truc pour infiltrer, faire des réseaux, pour pourrir le moral. Faut qu'on pourrisse le moral de CFDP, hein. Qu'est-ce que tu m'offres, toi? Oui. Bon, allez, avancez, là. Oh, le territoire est tellement grand que c'en est atroce à... Même ça, parce que avancer d'une case, c'est atroce. Par contre, Gaël, c'est combien de points? C'est 5 points toujours. 5 points ici aussi, hein. Bon, là, la petite poche soviétique, là. 19,5%. Au pire, on enverra les mecs sur... Vers les gars qui sont, comment dire, dans les avions au combat, hein, ça fera toujours 1000 connards de plus. Hein. Ah ben, le Reich, il annule le pré-bail, super. Le mec, j'ai fait un pré-bail, j'annule. Merci mon gars, hein. Franchement, putain, fallait pas. Hein. Mais c'est quoi ce bordel là? Après, c'est bien, c'est que eux ils prennent attrition aussi, donc on va les laisser faire. Canon AA4, parfait. On cherche canon AA5. Puisqu'il va falloir l'anti-aérien pour mes divisions. Ça permettra de me débarrasser de la cible aérienne ennemie. Les troupes de l'anti-aérien, ça va tellement du... Ça va tellement de bien d'avoir de l'anti-aérien pour casser des avions ennemis. La gueule de la Lituanie, là. L'Empire... Non, la République Populaire de Lituanie, d'accord. Mon dieu, mais quelle horreur. Après, si on fait fondre les états baltes... On va essayer de foncer vers après, vers la... Qu'on s'appelle la... Mourmansk. Je joue pas les trains, là. Quand c'est que j'ai pas assez de trains pour ça. On produit combien, les trains? On en produit deux par semaine. Enfin, un et demi par semaine. On construit quoi? On construit, ouais, ben... Ensuite, entraînement personnel, propagande, on va faire ça, alors que t'as un Gugus là, ah t'es commando, dur, orateur brillant, j'avais besoin de toi pour foutre la merde, j'aimerais que tu... Crée un réseau en URSS, s'il te plaît.
Ah, je suis d'accord, faut que je fasse un réseau qui soit un peu plus efficace. Créer un réseau plus efficace, ok. Une fois qu'il sera efficace, tu feras propagande. On va tenter comme ça. On va essayer de bouffer du russe. Arkhangelsk, c'est là, putain. Oh merde. Je comprends même pas quand le russe a encore la motivation de se battre. Qu'on ne l'a pas encore craqué, qu'on ne s'est pas encore dit. C'est la merde, je me casse. Venir ici les gars. Allez. Bon là, ils vont peut-être tomber les Russes. T'as jamais tous les monde là, même les Français qui. Français, Allemands qui se tapent. Vous voulez pas juste qu'on finisse les Russes? La France et l'Allemagne, là, dire franchement, vous voulez pas arrêter votre guéguerre à la con? Déjà en janvier 45. La question, c'est est-ce que j'aurais réussi avant janvier 53 à finir cette putain de game? Je suis pas sûr. Hein. Ah, il y a un train. Des produits. On va se placer là et une fois que c'est fait, on va envoyer à Mourmansk. Arkhangelsk 96%. Bon, eux ils vont crever, hein, dire, ils ont plus d'avitaillement. Arkhangelsk est tombé, super. Et 36% capturé. Ah, il faut juste que je prenne Mourmansk. On prend Mourmansk, c'est bon, c'est gagné. On va essayer de baisser leur stab. Encore plein de divisions, le mec, hein. Non, le Japon a capitulé, fait chier! Je vais pas capituler avant! Parce quoi à l'est? Ouais, capituler, bon, il occupe toujours les territoires, hein, le Japon. Ses troupes continuent à se battre. Le pays a capitulé, tant que l'Axe n'est pas détruite, tant que le Reich a pas plié. L'URSS qui a infiltré mon code, c'est bien, mais bon. Y a pas une vue que je pourrais prendre l'URSS, là? Oufa. Essaye de foncer vers Oufa. Juste prenez-moi Oufa, prenez-moi n'importe quoi, prenez-moi Mourmansk. Sverdlovsk, il le faut, mais prenez-moi juste une putain de ville. N'importe laquelle. Tallinn. Prenez-moi Tallinn. Prenez-moi Tallinn.
Où tournez-moi ce bordel? Tournez-moi cette ville de merde. Ah, il est malade, oui, d'accord. Mal pour 30 jours, d'accord. Ouf, c'est là. Y'a personne? Non. Non, vous la laissez. 5 points, j'en ai rien à foutre. Si on peut pr si prend cette ville, c'est la fin de la guerre. La prend. On l'a prise. Bon, alors, canon antiaérien, niveau 3. On va chercher quoi maintenant? Oh, le jeu qui est une pute! Avec ses statistiques d'enfoiré! Prenez-moi de Chelyabinsk. Et vous vers Sverdlovsk. J'ai rien à foutre, vous vous mettez ici. Vous prenez mon moment, c'est tout. Vous prenez cette putain de ville. Ça crache, allez. Oui! Oui! Déjà. Galati, je prends ça. Ensuite, on va se faire. Assujettir. On va prendre les provinces ici, la Géorgie. On va prendre. Assujettir. La République ukrainienne. Tout sélectionné, voilà. Et puis on va prendre également. Fantoche à... Je vais faire... La République satellite. On va prendre l'Azerbaïdjan satellite. On va prendre également la Géorgie. On va prendre l'État également pour moi la Roumanie. On va récupérer ça. Mettre. Alors déjà. Pour moi. Je vais exiger. Oh, ça c'est. Simple. On va faire assujettir l'URSS. Est-ce que tu veux ça? On va faire un fantoche. C'est où le Kazakhstan? Le Kazakhstan. Le Kazakhstan satellite, voilà. Non, j'en ai rien à foutre, hein. Je la veux. Je veux l'Ukraine. J'ai rien à foutre. Je veux l'Ukraine. Je vais pas laisser l'Ukraine à l'Allemagne. Attends, déjà, premièrement. Contester. Alors déjà, ça, c'est...
Ah, lui, créer un satellite, c'est bon déjà. Et puis également, après, on va faire Fantoche. Je pense à ça, à ce bordel-là déjà. Alors, exiger ça, je vais revendiquer. Puis je peux également revendiquer également tout sélectionner. On va faire quoi? On va exiger quoi également? J'exige tout ça, c'est clair, hein. Je pourrais demander d'autres. Après, le reste, j'en ai plus rien à foutre, hein. Les Allemands, ils sont contents, ils ont payé à Balte, hein, c'est tout. Qu'est-ce qu'il reste à prendre? Qu'est-ce qu'il reste à prendre tout... Tachaouz, c'était où? C'est ça qu'il reste à prendre? Le système est un peu compliqué, hein, pas se mentir, hein. Le coup fait sortir, on va laisser ça. Voilà, bon, putain! C'est fini pour le Reich à l'Est et l'Union soviétique de merde! Oh la vache! Bon, moi j'ai ce que je voulais ici à l'est. J'ai un petit tampon. Bon, ce morceau-là fait dégueulasse. Je suis désolé de dire ça, mais. Commissariat à la Russie, putain. Oh, ce petit bout d'Ukraine. Bon, c'est ça qu'il y a l'Ukraine, mais bon, ça, on le filera plus tard à l'Ukraine. Bon! On va préparer un petit débarquement. Alors déjà. Smyrne sur Athènes. Vous, débarquement de Smyrne sur Chalcis. Vous, débarquement de Smyrne sur machin là. Vous, débarquement de Smyrne sur Kalamatra, et vous, débarquement de Smyrne sur celui-ci. Hop. Et vous là, suivant. Les mecs là qui restent. Je vais vous placer. Je sais même pas où je vais vous placer d'ailleurs. Ici. Alors. Donc moi dans la faction, je suis là. Donc mes pupettes c'est la Russie, l'Ukraine, la Horde à Alash. Les Xinjiang ici. Bon bah vous les gars, vous allez vous mettre... bah... Bah continuez les guerres là-bas les gars, hein. Continuez ici. Parce qu'on est en guerre contre la Chine et le Xinjiang. Qui se casse les couilles ces mecs-là. Je sais pas ce que vous faites là-bas les gars, mais... En guerre contre la France ou pas? Non, ça non. Pas en guerre. Bon bah on va se mettre ici, j'ai une idée. Oh je suis en guerre des Pays-Bas. Espagne byzantine, c'est à moi.
L'esprit byzantine elle va gentiment se démerder à se recréer elle-même. Ah! Manque d'acier! Ah oui! Alors, pour l'acier, déjà, vraiment, ce qu'on va faire, c'est très simple. Une usine. Une usine. Tungstène. Quand est-ce que j'ai pas assez de tungstène? Ah, est-ce que je contrôle plus directement les territoires, c'est ça? Toité du Caucase. T'as quoi comme ressource? T'as rien. Ah, d'accord, tu crains, mon gars. Y a pas un pacte d'agression à la France? Ah, cette tête de con, je sais même plus comment il s'appelle ce mec-là. Rosenef. Par contre, le Reich allemand, là, il se met bien le Reich, hein. Et la frontière avec le shogunat. Pouf! Bon, bah, en tout cas. Voilà, les choses se présentent plutôt bien, on va pas se mentir. Embargo? Pas trop grave. Bon, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde. Bye les gens.